Julien Tantier roule sans permis? Furieuse, il répond aux rumeurs lancées par Nana Poucave. Nana Poucave assurait que Julien Tantier roulerait sans permis. Furieux contre cette rumeur, il vient de prouver le contraire sur ses réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Nana Poucave et Magali Berda se font la guerre. La première ne cesse de balancer des informations sur la directrice de Shona Evans. Que cela soit vrai ou faux, la hache de guerre ne semble pas prête d'être enterrée. D'ailleurs, la blogueuse balançait récemment que son ancienne patronne, mais aussi Julien Tantier, roulerait sans permis. Une information démentie par les principaux concernés. D'ailleurs, le candidat de l'Mouvement de 4 vient de prouver que la rumeur serait infondée. En effet, Julien Tantier vient de filmer le site officiel qui délivre les permis de conduire, pour montrer qu'il avait bel et bien. Le mari de Manon Marceau se dit furieux et prêt à traîner Nana Poucave en justice. Le fraté. Beaucoup d'articles bidons qui tournent sur moi et sur mon permis de conduire. Donc je vais vous montrer tout de suite que je l'ai. On va aller sur le site officiel, léger pour le goût. On télécharge le certificat en validant le nom. Voilà, nous sommes bien sur le site officiel. Monsieur Tanti, et c'est favorable. Donc voilà les fratés, malheureusement. Cette personne-là, je vais devoir entrer en justice avec elle, et ça va lui coûter cher. Julien Tanti, papa heureux. Cette histoire de permis serait donc de l'histoire ancienne pour Julien Tanti. Et nous en sommes rassurés. Car si Nana Poucave disait vrai, cela aurait été un très mauvais exemple pour tous les jeunes qui suivent le candidat de l'Mouvement de 4. Ces derniers préfèrent le voir en papa modèle comme il le démontre sur Instagram. En effet, le mari de Manon Marceau postait des clichés de lui et son fils Thiago, il y a quelques semaines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les hommes du monde rêveraient d'avoir la vie de papa de Julien Tantier. Nous vous laissons vous faire votre propre avis avec les clichés suivants, d'autant plus que Thiago est à croquer.